reprenons les prières avant la messe dans le carnet de chants à la page 8. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la sainte et adorable Trinité soit bénie à jamais, qu'elle soit glorifiée maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Acte d'adoration. Mon Dieu, je vous adore ici présent. Je vous reconnais avec plaisir. Pour mon Créateur et pour mon souverain Seigneur, je me soumets entièrement à vous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, je vous adore présent réellement dans le tabernacle, avec votre corps, votre sang, votre âme et votre divinité. Acte de foi. Mon Dieu, je crois totalement toutes les vérités que vous nous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper ni nous tromper. Acte d'espérance. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de Jésus-Christ votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous nous l'avez promis et que vous tenez toujours vos promesses. Acte de charité. Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et plus que tout, parce que vous êtes infiniment bon et j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous. Cœur sacré de Jésus, Notre-Dame des Neiges, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Bienheureuse Marie Rivier, Saint Vincent, nous prenons le chant d'entrée à la page 131. Béni soit Dieu, il vit à jamais, c'est lui notre Père d'âge en âge, célébrez-le devant tous les peuples. Car c'est vers eux qu'il vous envoie. Le Seigneur est saint, le Seigneur est grand, le Seigneur est notre Père éternellement. Confiance vous anime, qui ne le sait.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous au saint sacrifice de cette messe, de ce deuxième dimanche de carême, dimanche de la transfiguration, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, et les anges et les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Écoutez ton Fils bien-aimé, fais-nous trouver dans sa parole les vivres dont notre foi a besoin, et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit : Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Et il déclara : Telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit : Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. Abraham répondit : Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage ? Le Seigneur lui dit : Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans,
un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les partagea en deux et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes : « À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. » Parole du Seigneur. Le Seigneur veut vivre avec nous une alliance qui implique toute notre vie. Avec le psaume 26, nous lui redisons notre confiance. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Le Seigneur est ma lumière, mon salut. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ensemble, imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous, nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne,
Tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Nous nous levons pour l'Évangile. Gloire à toi, Seigneur, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur, parole éternelle du Dieu vivant. Du sein de la nuée resplendissant grande, la voix du Père a retenti. Gloire à toi, Seigneur, parole éternelle du Dieu vivant. Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé, écoutez-le. Gloire à toi, Seigneur, parole éternelle du Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et alla sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage apparut tout autre. Ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Et deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son exode qui allait se réaliser à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais se réveillant, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'en allaient quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, mon élu. Écoutez-le. » Quand la voix eut retenti, on ne vit plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et, de ce qu'ils avaient vu, ils ne dirent rien à personne à ce moment-là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On a eu ce dimanche une première lecture un peu étrange. D'abord ce très beau passage que nous connaissons bien où Dieu montre à Abraham le ciel et les étoiles en lui disant « Voici comme sera ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. » Et dans un autre passage il est dit « que les grains de sable au bord de la mer. » Je ne sais pas si les enfants vous avez déjà compté les étoiles dans le ciel ou le nombre de grains de sable au bord de la mer. Ça peut faire une bonne occupation le soir ou l'été. La descendance d'Abraham, ce sont ceux qui aiment Dieu. Et donc c'est plein d'espérance parce que ceux qui aiment Dieu sont plus nombreux que les étoiles du ciel et le sable au bord des mers.
Et puis après, on a cette histoire un peu étrange de morceaux d'animaux coupés en deux. Et il s'agit d'un moment essentiel de l'Ancien Testament. L'alliance de Dieu avec Abraham à travers ce geste. Donc cette alliance va être signifiée par ce rite un peu étonnant, qui est un rite venu du paganisme et qui est un rite de serment. Donc on coupe un animal en deux et ceux qui contractent le serment passent entre les deux morceaux séparés qui ont été mis l'un en face de l'autre. Et donc c'est un serment qui est lourd de conséquences et qui exprime une obligation absolue et irrévocable. Ce geste est une manière de dire, eh bien, si je suis infidèle à cette alliance, le sort de cet animal coupé en morceaux, mis en pièces, brisé, sera le mien. Donc c'est un gage de fidélité absolue à la parole donnée et c'est une manière de lier sa vie à sa parole. Donc on voit la foi d'Abraham, déjà, qui accepte d'engager sa vie pour cette parole, parce qu'il sait qu'elle est vérité, et c'est pour cette raison aussi qu'il est appelé le père des croyants, à cause de sa foi, et parce qu'il a en Dieu une foi inébranlable. Mais il y a encore plus beau, c'est qu'Abraham, au cours de ce sommeil mystérieux, va voir un brasier fumant et une torche enflammée, qui représente Dieu, passer entre les morceaux d'animaux. Cela veut dire que Dieu lui-même accomplit ce rite, accomplit ce serment. Dieu lui-même se déclare prêt à donner sa vie pour cette alliance. Et Dieu lui-même assure que sa fidélité sera irrévocable. Nous savons bien ce qui va se passer. La descendance d'Abraham, dont nous sommes, sera infidèle à cette alliance par le péché. Alors va se produire l'inimaginable. Le Fils de Dieu va devenir fils d'Abraham pour prendre sur lui la malédiction, pour prendre sur lui ce serment qui avait été rompu par cette descendance d'Abraham. Et donc le Fils de Dieu va accepter que son corps soit brisé sur la croix, dans la passion, pour rétablir cette alliance avec nous. Et donc vont être parfaitement accomplies la justice, le serment est respecté, et la miséricorde, parce que Dieu vient l'accomplir à notre place. Dieu se fait homme pour pouvoir rétablir à notre place ce serment. Voilà combien Dieu nous prend au sérieux et nous aime. Et ce sacrifice de réparation qu'est la croix est rendu présent dans chaque Eucharistie. Dans la messe est offert le corps brisé de Jésus et son sang versé en signe de l'alliance nouvelle et éternelle. Ainsi disait Benoît XVI dans la vision d'Abraham, au premier commencement de l'alliance avec le peuple élu, se trouve déjà dressée la première station du chemin de croix. Alors nous comprenons mieux le lien qui est établi en ce dimanche entre cette première lecture et l'évangile de la transfiguration. La transfiguration est une étape dans la vie de Jésus vers sa passion. Jésus a annoncé quelques jours avant la transfiguration sa passion. Ses disciples ont eu du mal à l'écouter et quelques jours après, Jésus leur apparaît dans la gloire avec cette voix du Père qui se fait entendre et qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, même et surtout quand il vous annonce sa passion à venir. » Donc la transfiguration est une étape vers la croix. La transfiguration est d'abord comme ce serment entre Dieu et Abraham, est d'abord un événement de prière. Saint Luc insiste aujourd'hui, Jésus monte sur la montagne pour prier et c'est pendant qu'il prie qu'il est transfiguré. La transfiguration est aussi un événement de souffrance. C'est de son départ à Jérusalem qu'il est question avec Moïse et Élie, donc de sa passion, de sa croix. Et la transfiguration est aussi un événement de gloire puisqu'elle dévoile la divinité de celui qui a pris notre humanité
Elle annonce, elle dévoile petit à petit à ceux qui prient, elle dévoile le mystère pascal qui s'accomplit dans la passion et dans la résurrection de Jésus. Donc prière, souffrance, gloire, c'est le chemin du carême où nous sommes en marche vers le mystère pascal que nous revivrons dans quelques semaines. Et cette fidélité de Dieu à son alliance qui ira jusqu'à la croix et à la résurrection, cette fidélité appelle la nôtre, ici et maintenant, même et surtout dans les difficultés. Comme saint Paul le disait dans la deuxième lecture, nous aussi nous pleurons et nous souffrons de ce que, disait saint Paul, beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils ne pensent, dit saint Paul, qu'aux choses de la terre. Ne soyons pas de ceux-là et pensons davantage nous aussi à celles du ciel. Mais dans les difficultés, dans les épreuves, dans les oppositions, nous pouvons mettre en pratique l'exhortation de saint Paul aujourd'hui, « Tenez bon dans le Seigneur ». Et le psaume que nous avons prié nous y exhorte aussi et nous encourage. « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?» Que la Vierge Marie nous aide à poursuivre notre carême avec un plus grand amour pour Jésus. C'est cet amour que Dieu a promis à Abraham. C'est cet amour que Dieu nous a montré à l'infini dans la passion de Jésus qui est venu prendre notre place. Alors faisons nôtre en ce dimanche, à travers nos efforts de carême que nous déposons aussi auprès de l'autel et que nous unissons à l'offrande de Jésus, faisons nôtre cette belle prière du temps du carême. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Quelques annonces pour la semaine. Cette messe est offerte pour Francisco Antonio Battista. À 14h, nous aurons la montée à Notre-Dame-des-Neiges et à 16h15, la bénédiction du Saint-Sacrement et 18h, chapelet et vêpres. Demain, c'est la fête de la chaire de Saint-Pierre et le début d'une retraite aussi ici. Donc l'adoration aura lieu à 15h30. Chapelet et les vêpres à 16h30 et à 17h20 la messe de la chaire de Saint-Pierre suivie du début des exercices. Donc la messe demain à 17h20. Pour les mardis, mercredis, jeudi et vendredi, la messe sera à 9h30. Donc lundi, la messe pour Éric Adnet, mardi pour la famille Olivier, mercredi pour la guérison d'Eliott. Jeudi pour le triomphe du cœur immaculé de Marie, pour les enfants avortés et les âmes du purgatoire. Vendredi pour la famille Kirchmeyer. Et puis le vendredi, le chemin de croix aura lieu à 20h avec les retraitants. Samedi, la messe de clôture de la retraite à 15h30 pour la famille missionnaire de Notre-Dame. Et dimanche prochain à 10h, la messe pour les donateurs du tronc des messes. Nous proclamons notre foi.
Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né de vrai Dieu. Engendré, non pas créé, une seule nature avec le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descend du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il siège à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit la même adoration et la même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Ceux qui lisent une intention peuvent s'approcher de l'ambon. Frères, la splendeur du visage de Jésus transfiguré a préparé les apôtres à le voir dans l'humiliation volontaire de sa passion. Supplions Dieu de nous faire découvrir la profondeur de son amour pour nous. Seigneur Dieu d'amour, pitié pour nous. Seigneur Dieu d'amour, pitié pour nous. Sur le mont Tabor, Jésus a voulu fortifier la foi de ses apôtres privilégiés afin qu'ils ne l'abandonnent pas au moment de sa douloureuse passion. Pour que la grâce du carême fortifie la foi des baptisés et qu'ils demeurent toujours fidèles à l'Église au milieu des tempêtes, prions le Seigneur. Seigneur Dieu d'amour, pitié pour nous. Dans le mystère de la transfiguration, les trois apôtres ont entendu la voix du Père. Celui-ci est mon Fils, mon élu, écoutez-le. Pour que les hommes de notre temps, aimés de Dieu, ne lui ferment pas leur cœur et l'écoutent lorsqu'il leur parle au plus intime de leur conscience, prions le Seigneur. Seigneur Dieu d'amour, pitié pour nous. Nous contemplons aujourd'hui notre Seigneur dans sa gloire de Fils bien-aimé du Père. Il dévoile ainsi un coin du mystère par miséricorde envers trois de ses apôtres. Pour que la grâce de cette année de la miséricorde permette à beaucoup de faire une expérience de l'amour de Dieu pour eux, prions le Seigneur. Aujourd'hui, nous assistons, impuissants, à l'escalade de la violence en Syrie et à l'internalisation du conflit. Pour que face à cette situation, les chrétiens ne soient pas indifférents, mais généreux dans le don d'eux-mêmes
pour implorer le don de la paix et soutenir financièrement les organismes qui peuvent aider les populations locales et les réfugiés. Prions le Seigneur. Seigneur de l'amour, pitié pour nous. En ce dimanche, nous accueillons des foyers à Saint-Pierre et des adolescentes à Bergerac. Puis cette semaine, une retraite pour tous aura lieu à Saint-Pierre et pour les adolescents à Sens. Pour que tous entrent plus profondément dans l'esprit du carême et que le cœur douloureux et immaculé de Marie leur obtienne de nouvelles grâces pour suivre son Fils et compatir à sa douloureuse passion. Prions le Seigneur. Seigneur de l'amour, pitié pour nous. Tu nous illumines, Seigneur, par la lumière de ton Fils bien-aimé, qui a laissé transparaître sa splendeur divine sur le Tabor. Accorde-nous de voir clair dans nos vies et de les rendre conformes à ta volonté, par Jésus le Christ, notre Seigneur. À la page 357, à partir du couplet 5. De toute l'Église. Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et les prépare à célébrer les fêtes pascales par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. Nous l'avons envers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte. En présence de Moïse et du prophète Élie, il a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de sa résurrection. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Sanctus, 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 Dominus Deus. Nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Jean-Louis et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément,
Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Venez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste,
le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris de Jésus, notre Sauveur, et selon son commandement, nous osons chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À la page 71. Je viens vers toi,
Prions le Seigneur. Pour avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier, toi qui nous donnes déjà en cette vie d'avoir part au bien de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prenons la prière à Notre-Dame des Neiges à la page 9. Nous lui confions toutes les intentions de nos familles, notre carême, les fruits du voyage du pape au Mexique. Et puis nous prions en union avec Mère Madeleine et Père Bernard qui sont à Rome. Et nous confions l'Église et le monde. Ô Notre-Dame, nous nous confions en vous, en votre obédience bénie et en votre garde très spéciale. Aujourd'hui et chaque jour, nous vous confions nos âmes et nos corps. Nous vous confions tout notre espoir et toute notre consolation, toutes nos angoisses et nos misères, notre vie et la fin de notre vie, pour que par votre très sainte intercession et par vos mérites, toutes nos actions soient dirigées et disposées selon votre volonté et celle de votre Fils. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. À la page 136. Te cherche, Seigneur, tu les conduis vers.